Et salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle map parcours avec mon chapeau qui change de couleur, c'est génial. On se retrouve sur map parcours Sky Jumper, qui est une map parcours où on doit sauter d'île en île volante. Et ça a l'air pas trop mal, j'ai testé un petit peu le début. Il me semble que c'est là le spawn. Et du coup, le principe ça va être tout simplement de sauter d'île en île. Et c'est du parcours assez rapide, donc c'est ce que je préfère. Alors apparemment il y a des petits effets quand même. Ça c'est des trucs qu'il faut collecter et puis il y a des petits blocs à effet apparemment. Donc on verra bien ce que ça donne, qu'est-ce que c'est. If you are press this button, I press this button, I do what I want. Est-ce qu'il y a quelque chose? Non. Bon, on va essayer de collecter les trucs, hein. Ça sert à rien mais je vais essayer. Ok, ça c'est un checkpoint, voilà, hop, j'ai récupéré le premier truc. Et on commence avec du parcours, tranquillement, hop. Il y a beaucoup de sauts de 4 et tout ça. D'espace à ce que j'ai vu. Regardez encore en haut là, hein. Mais le truc c'est qu'on a à chaque fois de l'élan pour les compléter. Donc c'est un bien pour un mal. Pour un bien pour pas vraiment un mal. Mais c'est comme vous le voyez. En tout cas, ah non non, démette. Je voulais faire un boost jump juste avant pour le faire facilement. D'ailleurs je vais le faire ici. Hop, voilà, comme ça on réussit facilement. C'est plus facile avec un petit boost jump plutôt que d'essayer à chaque fois. Hop, sans élan. Alors ça, ça j'ai vu, c'est un des premiers blocs effets que j'ai vu. Et puis là, on a le deuxième qui est le speed. Et c'est ici que je m'en suis arrêté parce que je me suis dit, c'est pas trop mal. Et comme vous pouvez voir, la map est assez longue quand même. Donc je pense que ça va offrir pas mal de défis. Un petit checkpoint, je vois... Ok, je vois un bloc pour sauter ici. Et je suppose que je dois aller d'arbre en arbre et continuer ma progression vers le haut en quelque sorte. Et j'espère qu'on a des petits parcours dans cette tour, ce serait génial. Hop, hop, hop. Petit checkpoint, je suppose que je dois aller par là, et yep, ça continue ici. Malheureusement on ne peut pas aller dans la tour apparemment, ça c'est un petit peu dommage, j'aurais bien fait un peu de parcours là-dedans. Yep, ok, alors ça c'est des sortes de trucs volants, c'est un petit peu steampunk. Bon, il y en a qui seront très énervés que je dise que ce soit steampunk, parce que steampunk c'est pas comme ça, blablabla. Bon, dans Minecraft le steampunk c'est devenu ça, ok. Dans Minecraft le steampunk c'est ça maintenant, que vous le vouliez ou non. Donc, ouais, hop. Est-ce qu'il y a un futur checkpoint? Parce que là, okay. Parce que là, ça devient un petit peu chaud, hop. Les sauts s'enchaînent assez bien, mais bon, là, c'était stupide de ma part. Mais il y en a de temps en temps un qui va vous offrir un petit peu de défi, on dirait. Vous voyez, celui-là, ça, j'aime pas trop ce genre de saut. C'est pas trop mon kiff. Hop, donc ça, c'est du 3 avec un diagonale, ou c'est du 4? J'arrive même pas à voir correctement. Non, il me semble que c'est du 4, hein. Est-ce que ça prend un quad avec un diagonal? Ça, c'est les pires, selon moi. Ou alors, c'était peut-être un triple. Je ne sais même plus. Ok. Et, hop, on saute au dernier moment. On monte sur les escaliers. Ah, je vois. Hop. Oh non, t'es sérieux? J'ai pas fait boing. Je déteste quand ça fait ça avec le slime block. C'est tellement stupide. Je jure, slime block de malheur, rebondis-moi cette fois-ci. Je me suis un peu arrêté dans les airs parce que j'étais pas sûr d'y arriver. Ok, j'ai apparemment eu un deuxième artefact, le Part of the Sun. Waouh, une partie du soleil. Ouais, tu peux récupérer ça avec un panneau solaire, hein. Tu sais, c'est pas besoin d'aller sur une map parcours pour récupérer ce genre de choses. Ok, ça s'enchaîne bien au final, hein, malgré les petits sauts un petit peu compliqués de temps en temps. J'aime assez bien le parcours. Voilà, j'allais dire, tu ne m'as pas donné le checkpoint. Là, par contre, ça va requérir un petit boost jump, ou sinon ça devient un peu compliqué. Ok, comment dire? Oh, hop. C'était... Voilà, c'était... Oh, t'es sérieux? Pourquoi? Ah oui, vous voyez la barre en dessous, c'est très perturbant parce que il a retexturé la plupart des trucs, donc j'ai que deux slots. Mais en fait, j'ai tous les autres slots, c'est juste que ça glisse en dessous de son nom et c'est un petit peu perturbant. Bon allez, là, je fais plus ce truc ridicule. Oui, ça, c'était un bloc avec effet, donc il fallait rebondir dessus direct. Ok. On est dans des sortes de ruines ou je sais pas quoi. Hop, petit saut tranquille et checkpoint. J'ai une table de craft si je veux. N'y aurait-il pas un coffre caché quelque part ici? Et regardez, là, il y a un petit chemin. Hein? Ok. Effect Aventure. La personne qui a fait la map est ukrainien apparemment, pour ceux qui se demandaient. Donc si vous voyez de l'ukrainien de temps en temps, voilà pourquoi. Ok, hop. En espérant que la map se fasse pas envahir par les Russes. Mais ça c'est un autre problème. Hop, hop, ok. Là, là. Un petit coup
deux slime blocks et on est reparti. J'aime bien cette partie de la map là, c'est plutôt plaisant. En plus, il y a du slime block et vous savez que moi, le slime block, c'est mon kiff. J'adore ça. Donc, ouais, forcément, hop, je suis content d'en avoir un petit peu de temps en temps. Non, là, c'était largement, mais alors largement pas assez. Hop, comme élan. Il faut vraiment attendre, voilà, le dernier moment. Ah! J'essaie de sauter au dernier moment pour le passer correctement. Cela, c'est toujours... Il faut le temps qu'il se mette dans le... Ouh, j'aurais pu largement le rater, celui-là. Il faut le temps qu'il se mette dans le cerveau. Au moins, là, au moins, vous avez de l'élan et vous pouvez faire du boost jump, hein, si vous avez du mal. Ouh, là, par contre... Ah, fuck. Hop. Non, c'est bon, j'ai réussi à remonter. Hop. Et hop, voilà. Et ça, c'était chaud. Et je dis ça pas... Je dis pas ça parce que... Encore de l'Ukrainien. Je dis pas ça parce qu'il y a de la lave, hein. Hop. Ok. Bon, j'aurais pas les secrets ukrainiens, c'est peut-être écrit, je sais pas moi, des plans d'attaque contre Poutine ou je ne sais quoi. Donc on manquera ça, c'est pas grave, je suis tombé au pire endroit possible. Apparemment, bon, je vais utiliser mon bon vieux checkpoint parce que là, je ne suis pas prêt d'y retourner. Où est-ce que je devais aller en fait? Je sais plus, c'était par là, non? Non, attendez. What? Attends une minute. Est-ce que le passage que j'avais avant, je sais pas. Attendez, je ne sais même plus par où j'étais passé avant. Ou alors j'ai atterri avant le... Ah non, il y a... Ouais, oui, je me souviens, il y a le bloc ici pour sauter. Sinon j'étais en mode... Mais quel est ce fuck? Quel est ce fuck? Voilà. Ah, hop, un petit shiny. Shiny, j'aime les trucs shiny. Est-ce que je dois sauter là-haut ou est-ce que je dois sauter tout bêtement là-haut? Non, je peux pas monter là. Je pense que je dois... utiliser ça, voilà, pour monter sur la bûche, même si j'ai l'impression que ça sert à rien de monter sur cette bûche. Il faut que je monte sur la maison, en tout cas. Ça, c'est sûr et certain. Ok, d'habitude, j'ai plus facile à voir où je dois aller, mais là, j'ai un petit peu plus de mal à voir où je dois aller. Mais c'est pas grave, je suppose. Non, c'était pas par ici, en tout cas. Ok, oui, c'est vraiment le toit de la maison. Je vois des sortes de fougères ou je ne sais quoi qui m'invitent à venir chez elle. Du coup... Oh non, fuck. Non, non, non. Ok, j'allais dire, si je tombe ici que je dois tout refaire... Bon, pas tout refaire non plus, mais si je dois refaire une partie, ce sera un petit peu embêtant. Ok, alors quoi tu sers, toi, là? Est-ce que c'est vraiment... Oui, j'ai l'impression, en fait, que c'était juste là que je devais aller. Ok, j'essayais de trop réfléchir à quelque chose qui était plutôt simple, en réalité, donc... ma foi, c'est de ma faute. Alors, ici... Hop. Voilà. Ça donne pas l'effet, hein, la carpette, donc ça sert à rien. Il y a un bloc invisible, ici. Regardez, il y a des blocs invisibles. Ça je veux dire, au lieu de mettre des blocs invisibles, mets des feuilles de deux de haut. Comme ça, au moins, on sait qu'on peut pas passer, mais bon. Hop. Ça aurait été beaucoup plus simple. Ah, ok, il y a un truc pour sauter, justement, ici. Voilà, j'ai pu enchaîner. Ah, et ça continue par là. Est-ce que je dois... Ah oui, je vois. Oh non! Fuck. C'est pas grave. On n'avait rien vu. On n'avait rien vu. Je n'ai rien fait. Tout était prémédité. Et hop. Boing. Hop, on atterrit, ok. Alors là, on arrive vers des grosses maisons, des très grosses maisons. Il y a d'autres trucs par là encore qu'on n'a pas été. Donc, ma foi, il nous reste encore pas mal de choses à faire. C'est misérable. Donc, concentrons-nous. Tu peux le faire, Aurélien. Voilà. Oh, on a un petit speed ici. Ok, alors. Donne-moi de speed. Hop, merci. Et est-ce qu'il y a... Oui, encore un slime block. Il aime bien les slime blocks, hein. Ouh, oh. Atterrir sur une barrière comme ça depuis un slime block, ça c'est plutôt chaud en réalité. Hop. Mais c'est plutôt bien prévu. Ah, encore des blocs invisibles. C'est plutôt bien prévu jusqu'à maintenant. Donc il y a toujours les bonnes distances et tout ça. C'est pas fait pour être le plus salaud au monde ou je ne sais quoi. Donc ça c'est plutôt plaisant. J'aime bien les maps qui s'enchaînent rapidement aussi. Donc ma foi, c'est mon genre de map préféré. Ok. Hop. Alors là... Il suffit de continuer, petit checkpoint, merci. Les checkpoints sont assez fréquents aussi, surtout quand on fait ce genre de conneries. Du coup, ça c'est un autre point assez positif pour ceux qui aiment pas trop refaire les mêmes jumps après avoir fail ou je ne sais quoi. Ok, je vois un autre checkpoint là. Le truc c'est que là, je suis assez libre. Je suppose qu'il doit avoir un chest caché quelque part, mais honnêtement, je suis pas là pour collecter des trucs sur une map. Je veux dire, si je voulais collecter sur une truc, sur une map comme ça, j'irais jouer à un jeu Ubisoft, quoi. Hein, ouvrir des tours radio et tout ça, et collecter tous les trucs qui servent à rien. Je jouerais à un jeu Ubisoft, mais là,
Moi, je veux du parcours. Ou par contre, ces sauts-là sont un petit peu plus chauds que je ne le pensais. Là, on a un petit 3, différence de 1, avec une diagonale en plus de ça. Ça, c'est du chaud. Alors, le mieux, c'est viser le coin, sauter. Voilà. Hop. Faut même pas trop des fois regarder au niveau de ses pieds. Petit checkpoint. Mais encore une fois, checkpoint assez fréquent, donc ça, c'est cool. Hop. Hop. Non. Tu vas y arriver, Aurélien. Tu vas y arriver. Allez. Bon, là, on n'a pas trop d'élan, mais bon, je peux faire un petit coup de boost jump, c'est pas trop grave. Ouh, j'ai eu une sorte de mini rollback par Minecraft. Ouh, là, ils étaient beaucoup plus proches que je ne le pensais. Du coup, j'ai failli faire une connerie. Ok, 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 on enchaîne, ça va plus vite. Et ça évite les erreurs. Ok. Encore une fois, bon petit checkpoint là où il faut, quand il faut. Donc ça, c'est plutôt plaisant. Ok, je devais aller sur le toit? Je sais même pas. Peut-être que je dois aller là. Le mec, il est en train de se faire son propre parcours. Non, je dois certainement pas aller là. Ok, le truc semble enchaîner dans cette direction. Ah si, 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 je devais bien aller sur le toit. Parce qu'ici, on peut monter sur le toit. Hop, voilà. Et on peut rentrer dans la maison. Nice, ça c'est bien foutu. Oh, du petit parcours dans la maison avec de la liane, évidemment. Est-ce qu'on peut... Ah non, il y a du bloc invisible, ok. Il y a des blocs invisibles, donc ça veut dire qu'il va falloir faire différemment que ce que je pensais. Est-ce que je peux sauter directement par là, à la limite? Ouh, c'est spécial. En fait, là... Non, il y a des blocs aussi invisibles. J'allais dire, ah, là, je peux aller là, puis monter... Non. Non, fuck you. Encore une fois, les blocs invisibles me coque-bloquent. C'est à peu près ça. Hop, hop. Je pense que le mieux, ce serait juste de sauter sur le côté comme ça et d'atterrir directement sur la bonne liane. Parce que le truc, c'est que passer sur les coins d'une liane, c'est... plutôt chaud, voilà. Et en fait là non, je devrais à chaque fois en fait je devrais. Ah ben là en fait, je suis stupide en fait, je peux juste. Les lianes en fait étaient juste là pour m'empêcher d'aller directement au bon endroit. Hein. Du coup moi j'étais en mode ah non les lianes faut les utiliser, c'est ça qui te permet d'aller jusqu'au bout. Non, les lianes ne servent à rien, c'est, ça faisait pas partie du parcours, c'était juste un truc qui était là pour m'empêcher de faire du parcours. Et voilà, comme ça on enchaîne. Et au dernier moment, voilà. Et on est arrivé. Ouf. Là, on a de la petite racine. Ouh, c'est classe ici. Est-ce que j'ai été téléporté? Parce qu'il me semble que j'étais beaucoup plus haut avant. Hein. Oui, j'ai dû être téléporté vers le bas. Donc il y a des téléporteurs à certains endroits. Je ne l'avais même pas remarqué qu'on m'avait transporté dans une autre dimension. Ah, ok. Bon, ça aurait pu mieux se passer. Jolie petite racine ici, j'aime bien. Hop. On est sous un énorme arbre, j'ai l'impression. Hop. Ok, alors, concentrons-nous. Essayons de ne pas faire de conneries. Allez, c'est celui-là. Voilà. Hop, voilà. Petit checkpoint. Et on enchaîne. Ok. On monte là-haut. Encore plus de racines à ce que je vois. Mais c'est bon, je suis entraîné à l'échelle maintenant. Est-ce que je dois enchaîner sur les racines ou... les racines. Ou est-ce que je dois aller plus haut? Je vois bien une sorte de checkpoint ici, mais je pense que je dois aller... Non, quoique... Ah, si, si, si. C'est bien ce que je pensais. Je dois enchaîner sur les racines. Oh, ok. Ça, c'était chaud. Possible jump. Ah oui, celui-là. Celui-là, je me souviens. Ça, je me souviens. Mettez-vous sur le bord là. Alors, attendez. Non, il faut... C'est un petit peu chaud quand même. Vaut mieux se laisser tomber, voilà. Vaut mieux se laisser, voilà, tomber. Et on y arrive au bout d'un moment. Il a manqué. Et il est quand même respectable, ce mec, parce qu'il a mis un checkpoint avant et un checkpoint après. Donc ouais, voilà, je suis arrivé. Suffit juste d'essayer, puis ça finit par passer. Hop. Ça demande un petit peu de savoir-faire, par contre. Là, par contre, c'était pas du tout du savoir-faire. C'était même assez misérable. Et au final, il y a plus de jumps que je le pensais parce que je croyais que c'est... tous les jumps étaient à l'extérieur. Mais comme vous pouvez voir, il y a quelques jumps à l'intérieur. Donc ça, c'est plutôt plaisant. Jusqu'à maintenant, une bonne petite map. On s'enchaîne bien. Les effets complémentent la map. C'est pas, je dirais, une map hyper originale ou autre chose, mais c'est plutôt plaisant. Qu'est-ce que je dois faire avec ce slime block? Je pense que je dois faire... Voilà, ça. Ok. Et le checkpoint ici, encore une fois... pas mal de checkpoints, hein. Ils n'aiment pas trop punir, je pense, les gens parce qu'ils ont fail autre chose. Ils préfèrent que les gens continuent à progresser sur le parcours plutôt que de rater à chaque fois. Ok. Alors là, ça va être... oui.
Oui, attends une minute. Est-ce que je dois... Est-ce que c'est bien ce que je pense, oui? Est-ce que je dois sauter depuis... Oh oui, ok, c'était bien ça. Ça, c'est un petit peu plus chaud. Il faut pas se cogner la tête, ou sinon ça fait mal. Et on a un mal de crâne. Ah ok, donc j'ai bien été téléporté sur la seconde île, comme vous pouvez voir. Oui? Ça va, j'ai cette checkpoint. Ah, encore un vite. Wow. Eh, attends, j'avais peur de ne pas pouvoir refaire ce chemin-là. Mais c'est bon, attendez. Hein, on ne sait jamais hein, que je mourrai entre ici et ici. Hein, on ne sait jamais. Ok, alors là, par contre, j'aime bien. Il y a aussi une roue faite en bloc de checkpoint. Mais bon, ça, c'est autre chose. À mon avis, je dois aller par là. Hop, hop. Non, à mon avis, je dois enchaîner par là. Le mec qui était en train de se trouver un nouveau parcours sur la maison. Et je suis sûr que j'aurais pu trouver un moyen de monter en plus. C'est ça le pire. Je suis pratiquement sûr qu'il y a peut-être un... Non, il n'y a rien par là en fait. Quoique, il y a une échelle. Hein. Enfin, il y a un truc qu'on peut monter là. Puis on peut monter là. Et puis après, je suis coincé. Mais bon, si je le voulais, je pourrais me créer mon propre parcours. Donc, voilà. Je dis ça, je dis rien. Ok. Ah, t'es sérieux? What the fuck? J'ai eu l'impression pendant une seconde que j'avais pas du tout l'effet de boost jump. Est-ce que c'est mon imagination qui m'a fait des tours? Ah, je déteste le speed, ça il n'y a pas à dire. J'ai vu une autre map qui était postée sur le site où je regarde les maps d'habitude. C'était genre une Rainbow Road. Et les Rainbow Road, j'en ferai jamais parce que je déteste ça. Les Rainbow Road, c'est juste du speed, speed, speed. Permanence, je devais enchaîner les trucs très rapidement. C'est vraiment pas mon plaisir. Et j'ai encore fait le bon, on se concentre. Voilà, ok. Il suffisait juste de se concentrer un minimum. Bon, j'étais déjà con, mais j'étais pas assez centré, ça c'est sûr. Ok, checkpoint. Hop. Et hop, je vois un crâne qui décore encore une fois. Ah, n'oubliez pas, quand vous faites une map parcours, de mettre des crânes partout pour décorer. Comme ça montre aux gens à quel point votre map est accueillante. Ouf, ou alors là. Là, il faut aimer se cogner la tête. Hein. J'aime pas me cogner la tête. Hop. C'est pas trop plaisant, mais bon. Ok. Hop. Il y a que du jump boost ici. Et un petit checkpoint. Ok. Ça enchaîne bien, hein, ça enchaîne bien. Hein. Franchement, si vous maîtrisez la plupart des principes de base du jump, vous pourriez enchaîner cette map d'une seule traite, à mon avis. Et puis de temps en temps, il faut regarder quand même où est-ce qu'on va. Et puis il faut se cogner la tête aussi de temps en temps, mais ça c'est une autre histoire, évidemment. Hein. Hop. Bon, ça va, il aime pas... Enfin, il en met pas trop non plus, et en général, quand il en met, on peut reset facilement. Je pense que, en réalité, ce que je devrais faire là, c'est shifter. Il y a des fois, on peut pas juste passer normalement. Donc là, je peux pas, ça sert à rien de descendre là-dessus. En fait, faut. Ah, je suis pratiquement sûr que c'est ce qu'il faut faire. Il faut se laisser tomber et shifter. Pratiquement sûr que ce soit ça. Ou alors, il faut se laisser juste tomber. Ah oui, juste tomber, ok. Il fallait même pas sauter en fait. En sautant, vous prenez trop de vitesse verticale, vous pouvez plus passer. To get wings. Ah, ben voilà pourquoi. Enfin, voilà comment on atteint cet endroit. YOLO! Et maintenant, je viens de perdre les trains. Honnêtement, je pourrais enchaîner jusque là-bas si je voulais. Mais je vais me la jouer honnête, ok? Je vais me la jouer honnête. Je vois même qu'il y a. Attendez. Quelque chose ici. Hop. Ah, y a rien! T'es sérieux? Je joue de la manière honnête. Et tu me. Tu me déçois comme ça et en plus j'ai l'impression que je vais devoir me suicider en fait. Oh, t'es sérieux? T'es sérieux? Eh, hey, c'est quoi cette arnaque? Eh, hey, je te jure, j'aurais pu enchaîner jusqu'à la fin de la map. Non, peut-être pas la fin, mais alors, je pourrais enchaîner une bonne partie de la map hein, si je le voulais. Et je la joue réglo et il me récompense avec un truc vide et tout ça. Alors, je suppose que là. Ouais, ça m'a enlevé les élytras. Putain, j'aurais pu tellement hein, passer jusqu'à la fin de la map, mais bon. Je la joue. Là, c'est juste se gâcher le plaisir. Hein, parce que j'apprécie la map jusqu'à maintenant. Donc, si je peux en avoir un petit peu plus, j'en veux un petit peu plus. Ah, j'aime bien ce genre de truc. On en voit rarement sur les maps ce genre de truc où vous pouvez monter un petit peu comme ça. Je sais pas comment ça pourrait s'appeler. On va appeler ça des échelles trans-quadrimensionnelles. Voilà. Ça va être un magnifique nom pour ce genre de parcours. Hop. Checkpoint. Hop. On arrive sur une île de glace. Ça va se geler. Hop, on va se les geler surtout. Mais c'est pas grave parce que cet endroit de la map est plutôt cool. Cool parce que c'est froid. Enfin bref. Hop, on va enchaîner. Oh, j'ai cru que j'y arriverais pas sûr. Hop, hop, hop. Je suppose que je dois aller par là.
Ça semble m'indiquer un chemin. Ah, bah j'ai eu la icy shard, ma foi. Hop. Ah, et attends, normalement, je devrais pouvoir revenir, là. Est-ce qu'il a... Non, il a pas mis de bloc ici, donc j'en profite, hein. J'en profite. Hop. Voilà. Un petit coup de slime block. Ah, j'adore qu'il ait mis autant de slime block. Ça, c'est vraiment mon petit plaisir, vous savez. Hop. J'aime quand ça colle, ça c'est sûr. Hop, dans les maps parcours, bien sûr. Alors, un petit checkpoint. On enchaîne par là. Encore une fois, beaucoup de jump. On enchaîne. Ah, ça s'enchaîne tellement vite. C'est tellement... J'aime bien quand vous faites des jumps comme ça qui sont... Quand même, c'est plutôt classe à faire. Et puis, ça s'enchaîne bien et vous avez l'impression d'être un badass, tu vois. C'est un peu ça. Bon, après, je suis pas un badass, donc... Mais bon, ça me donne l'impression quand même, tu vois, dans mon petit cœur. Ça me donne l'impression et je suis content comme ça. C'était... Ah, ok, c'est bon, on peut revenir en arrière. Sinon, j'allais dire, c'était un piège. Et... Est-ce qu'il y a moyen de faire ce truc? Attendez. Alors, on peut pas utiliser vraiment le boost jump. Ou alors, si, on peut l'utiliser, voilà. C'est bon! J'y suis arrivé! Et maintenant, j'arrive au-dessus. Et je sais pas où ça arrive. Ok, ça enchaîne. Elle est plutôt longue cette map hein, en réalité. Je sais pas on en a combien de minutes de record, mais je pense qu'on a déjà fait pas mal. Attendez, je regarde. Ouh, dis, on est. Moi je suis à 21 minutes de record et j'ai presque pas coupé pour me concentrer sur un jump. Donc oh oui, il fallait bien. Oh, j'ai hésité pendant une minute, c'était ça, mais c'était vraiment ça. Ok. Bon allez, on va essayer d'enchaîner le plus vite possible. Hop, une petite shulker shell. J'ai presque eu tous les secrets au final. Bon, après, ils sont juste à côté du parcours à chaque fois. C'est pas comme s'ils étaient cachés ou je ne sais quoi. Ok. Un nouveau checkpoint. Et j'ai l'impression qu'on approche vraiment... On est très proche de la fin. Donc la map est plutôt bien foutue au final. Bonne durée. Bon, tout est à peu près bon en fait. Ah, quoique, j'ai l'impression qu'il y a une partie... Ah, il y a le party Nether. Ça va peut-être rallonger la map à rien. On va voir. Non, ça a l'air de finir presque. Voilà, ok. Yeah! Find a way to go down in the cave. Ah, en mettant les secrets ici. En fait, faut tout mettre là-dedans. Ok, et puis après, tu appuies sur le bouton. Oh, est-ce que c'est le reste du parcours qui était là-dedans? Ou c'est juste. Enfin, est-ce que c'est bonus? Ou est-ce que c'est juste l'objectif de la map? Bon, moi, mon objectif, c'est juste faire du parcours. Donc, on va vite fait. Hop, regardez s'il y avait quelque chose. Ah, je vois la redstone. Et je suppose que, voilà, il y a la porte A ici. Je vais déclencher la porte A. Vous n'avez rien vu, je ne suis pas là. Et... Ah, je voulais récupérer la torche, ça me l'a pas donné. Fuck! Fuck! Vous n'avez rien vu. You, tu as collecté tous les artefacts. Tu es très cool. Merci. Donc ouais, c'était juste un truc pour dire... Ouais, t'as fini la map. C'est pas vraiment genre... Et puis apparemment, il y a une porte aussi ici qu'on arrive, je sais pas. Bref, une bonne petite map, très sympathique. Franchement, ça, ce serait parfait d'ailleurs pour du speedrun, hein, oui. Une bonne petite map comme ça. Bonne durée, pas trop longue, pas trop courte. Les jumps s'enchaînent assez vite. Checkpoint plutôt bien foutu. Et en plus, elle est jolie à regarder, l'air de rien, franchement. Et regardez, c'est quand même du... C'est du beau petit build. Les îles volantes aussi assez classe. Est-ce que c'est du jump ici? Je suis pas sûr en fait. Donc bref, merci à tous d'avoir regardé cette map parcours. Je vous demanderai, si vous l'avez bien aimé, de laisser peut-être un petit pouce bleu. Ou si vous n'avez pas aimé, laissez un petit pouce rouge. N'hésitez pas à laisser un commentaire si vos sentiments sont plus complexes que ça. Et on se retrouve pour une prochaine map parcours. Je vous dis, salut à tous!